Je vais écouter un message lu par justice afin de le redire dans mes mots. Tout d'abord, je vais me placer dans une position d'écoute. En écoutant le message, je vais me faire des images dans la tête. Je vais repérer les mots importants qui m'aideront à comprendre le message et je vais penser à tout ce que je connais sur le sujet. Tout ça va m'aider à redire le message dans mes mots. Vas-y, justice, on écoute. Si vous devez traverser la route pour vous rendre à l'arrêt d'autobus, attendez que l'autobus soit complètement arrêté. La conductrice ou le conducteur vous fera signe de traverser la route lorsqu'il n'y aura pas de danger. Traversez la route en marchant, ne courez pas. Quand j'écoutais le message, ça m'a fait penser à ce que je connais déjà au sujet des règles de sécurité de l'autobus. Parce que quand j'allais à l'école, moi aussi, je prenais l'autobus. Dans ma tête, j'ai vu un autobus arrêté. J'ai vu un conducteur qui faisait signe aux enfants de traverser. J'ai aussi vu des enfants qui marchaient pour traverser la route. Pour moi, les mots importants dans ce message sont autobus arrêté, conducteur qui fait signe, puis marcher. Maintenant, je vais le redire dans mes mots. J'attends que l'autobus soit arrêté et que le conducteur me fasse signe de traverser. Je marche toujours pour traverser la route. Qui peut me dire qu'est-ce que j'ai fait en premier? Mélodie? Tu as écouté le message et tu l'as compris. Très bien. La première étape est donc « Je comprends le message ». Qui peut me dire qu'est-ce que j'ai fait après ça? Josie? Tu as redit le message dans tes mots. Excellent, Josie. Moi, j'ai redit le message dans mes mots à haute voix, mais je peux aussi le redire dans ma tête. Donc, la prochaine étape, c'est je redis le message dans mes mots à haute voix ou dans ma tête. Maintenant, est-ce qu'il y a un ami qui peut me relire le comment et le quand de la stratégie? Vas-y, Mélodie. Comment? Je comprends le message. Je dis le message dans mes mots, à haute voix ou dans ma tête. Est-ce que tout le monde comprend ça? C'est bien. Continue. Quand? Lorsque quelqu'un me dit un message. Très bien. Alors maintenant, les amis, lorsque nous aurons besoin d'utiliser la stratégie « redire » dans ces mots, nous pourrons utiliser le référentiel pour nous aider.